Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et avant d'aller plus loin, je vous dois de vous remercier puisque vous avez tout cassé. Puisqu'en effet, lors de ma précédente vidéo, je vous ai demandé 5000 likes pour obtenir une vidéo en Naruto UHC. Et comment dire? Et ce n'est pas tout puisque vous avez également dépassé les 400 abonnés TikTok comme prévu. Et là encore, je ne m'y attendais pas, mais vous avez dépassé les 1000 followers sur Instagram. Toutes ces nouvelles personnes ont pu commencer à avoir des stories avec moi, avec ma tête. Donc si vous ne voulez rien rater, je vous conseille de venir me suivre. Mon compte c'est pegafil.irl et le lien est en description. En plus, je dis ça, je dis rien, mais il risque d'avoir du lourd, comme des concours par exemple. En parlant de concours, je vais voir un petit peu de quoi vous êtes capable sur Twitter. Car aux 4000 followers, je fais un concours pour vous offrir au choix ce que vous voulez, parmi les lots suivants, à savoir un compte Minecraft, un compte Netflix, Spotify, Deezer, Wakanim, ADN, ou même Disney+, ou encore Amazon Prime. Enfin bref, vous verrez ça aux 4000 followers. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, le lien est en description. Bref, retournons au sujet de la vidéo, Death Note UHC, mode de jeu inspiré du manga portant le même nom. Voilà maintenant plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur le mode de jeu. Nous allons donc rappeler les bases. La V4 de Death Note UHC se joue en équipe de 7. Chaque joueur de l'équipe recevra un rôle emblématique de l'anime. Puisqu'en effet, nous pouvons bien évidemment interpréter Kira, mais également Nier, Melo, le Shinigami et les enquêteurs. Sans compter le Nier, les enquêteurs sont au nombre de 3. Les enquêteurs auront pour objectif de démasquer le Kira et le Shinigami, qui sont les traîtres de l'équipe. Pour ce faire, chaque enquêteur recevra aléatoirement un des pouvoirs suivants. Nous avons d'abord l'enquête. Grâce à ce pouvoir et en l'échange de 3 cœurs permanents, l'enquêteur pourra alors enquêter, ce qui signifie qu'au bout d'un certain temps, il connaîtra le camp de la personne enquêtée. Second pouvoir potentiel est celui de voir les réels morts. Comme Watari dans une précédente version, il pourra constater les réels morts dans le chat, qui, pour tous les autres joueurs présents dans la partie, ne seront pas visibles, mis à part pour le Shinigami et potentiellement le Kira. L'avant-dernier pouvoir permet de savoir quand le Death Note a été utilisé. L'enquêteur verra alors le décompte des 40 secondes quand un joueur sera victime du Death Note. Cependant, il ne connaîtra pas qui est la victime. Et enfin, le dernier pouvoir permet de connaître les conversations privées des Kira, sans bien évidemment connaître leur identité. Il est important de savoir que plusieurs enquêteurs peuvent avoir le même pouvoir dans l'équipe. Avec un peu de chance, 2 enquêteurs sur 3 peuvent avoir le pouvoir de l'enquête, et alors pouvoir démasquer beaucoup plus rapidement les traîtres. Le Kira, quant à lui, aura donc comme objectif de trahir son équipe et de gagner avec les autres Kira de la partie. Pour ce faire, il dispose de plusieurs avantages. Le premier est son Death Note, qui lui permettra dès l'épisode 2 de diviser par 2 le nombre de cœurs permanents d'un joueur. Mais ce n'est pas tout. Il pourra également réaliser le pacte avec le Shinigami, qui lui fera sacrifier 3 slots de cœurs, mais en échange, il pourra voir la vie de tous les joueurs. Il pourra aussi voir les réels morts dans le chat. Le Kira peut également choisir d'abandonner son Death Note et alors se faire passer par un enquêteur si jamais il se fait enquêter, ce qui est une excellente référence à l'anime. Passons maintenant au Shinigami. Le Shinigami est le second traître de l'équipe, mais lui doit gagner seul dans la partie. Pour l'aider dans sa tâche, il obtiendra 0,5 cœur permanent à chaque fois qu'il réalise un kill, et il connaît bien évidemment le Kira de son équipe. Cependant, si celui-ci meurt, son identité sera automatiquement révélée peu de temps après, et le Shinigami, pour rester fidèle à l'anime, pourra voir la vie des joueurs au-dessus de leur tête. Et pour terminer, nous avons le Nier. Le Nier est le successeur principal de L. Il aura pour objectif de démasquer les traîtres de son équipe avec les autres enquêteurs. Pour l'aider dans sa quête, il obtiendra le Kira Killer. Utilisable une fois par épisode, s'il tape le Kira avec cette arme, il lui enlèvera alors la moitié de sa vie. Cependant, s'il se trompe, c'est Nier qui perdra 5 cœurs permanents. Et à la deuxième erreur, il mourra instantanément. Nier peut également voir la vie des joueurs au-dessus de leur tête. De plus, il aura la possibilité de faire une enquête à tout moment en échange de 3 cœurs permanents. Pour cette partie, nous étions majoritairement avec vous, les membres de mon Discord. Alors si vous aussi vous voulez participer au game que j'organise, je vous laisse le rejoindre, le lien est en description. En ce qui concerne notre team, j'étais avec un Blue Diamond, Polo, Shazin, Simon et Nimbus. Une team globalement avec un niveau élevé, que ce soit en termes de PVP et de stratégie. Il va falloir alors jouer le mieux possible en fonction de notre rôle. Et si vous avez été attentif, je n'ai pas décrit un rôle. Et ce rôle, c'est celui qu'on va jouer aujourd'hui. Un rôle devenu emblématique dans cette quatrième version de Death Note, il s'agit bel et bien de Melo. Melo est le successeur secondaire de L et demeure fortement jaloux de Nier. C'est pourquoi, avec ce rôle, nous allons avoir la possibilité de choisir la personnalité de Melo. Nous pouvons très bien être gentils, et dans ce cas-là, nous connaîtrons le Nier de notre équipe et les enquêtes iront beaucoup plus rapidement. Nous pouvons également jouer RP et dans ce cas-là, choisir la version jalouse. Dans ce cas-là, notre objectif sera de trouver le Kira avant le Nier. On aura alors une super enquête qui sera 2 fois plus rapide et qui me permettra de connaître le rôle exact de la personne enquêtée en échange de 3 cœurs permanents. Cependant, si cette personne enquêtée n'est pas Kira, alors j'aurai le droit à une seconde enquête. Mais attention, car si je me trompe une deuxième fois, je meurs instantanément. Et enfin, la version méchante. Dans ce cas-là, nous serons seuls contre tous. À l'image du Shinigami, nous devrons gagner tout seul. Pour m'aider, je connaîtrai également le Nier de notre équipe et je serai insensible au Death Note. De plus, à l'inverse de la version gentille, je ralentirai l'enquête de Nier par 2. Et lorsque je révélerai mon identité à l'ensemble de la partie,
partie, je gagnerai 5 cœurs permanents supplémentaires. Lors de mes précédentes vidéos, nous avons choisi d'être gentils et jaloux. Et aujourd'hui, malgré notre équipe, il est temps de prendre des risques. Vous n'arrêtiez pas de me le demander. Les amis, pour cette partie, nous serons donc Mélo méchant. Nous avons donc à notre disposition une première information, qui est que le dire de notre équipe est Ino. Et par chance, Ino est la seule personne pour qui c'est la première game de Death Note. Il va falloir jouer là-dessus pour essayer de le brain. Mon premier objectif va alors de me faire passer pour le Mélo gentil. Et aux yeux des autres membres de l'équipe, un simple enquêteur qui a enquêté Ino. Il va falloir jouer très intelligemment. Allons rejoindre notre équipe. Ah, là-bas. Et bonsoir à tous. Comment ils vont là? Bon, les frérots là, j'ai une... comment t'appelles ça? Une fortune 3, donc si vous avez du diamant, j'ai une guide. Ah! Bah mon frère, sache que j'ai 3 diamants, alors? Bah mais on a pas eu... Mais Nimbus, il est déjà full stuff, gros. Ok. J'ai entendu enquête et tout, les gars, ça a des infos ou quoi déjà là? Ouais, Inou, je pense cool. Les gars, les chevaux. Ouais, Polo, je pense. Mais c'est Polo, je pense qu'il est cool. Mais c'est qu'une supposition. Ok, vous avez du diamant, j'ai vraiment 3 diamants, les gars. Hein. C'est, bah, c'est Nimbus, terrible. Nimbus il est en mode oh les gars, j'ai rien, j'ai pas l'enchant et tout. Je l'ai il vu, est vraiment 3 quarts. Enchant. Voilà. Mais ça m'étonne pas de lui. Hein. Non, on était en j'enlève mode, la musique, les gars, j'enlève la musique. Il était petite coordonnées, autant. Ah ouais? Bah super. Ouais. Moi je venais vers vous en fait, mais bon. Il les a peut-être pas envoyés qu'à nous. Hein. Ok, ah bah. Les gars, dans 3 secondes vous êtes morts alors. Vous avez au moins un diamant pour que je me fasse peut-être des bottines, je sais pas. Ah bah, tiens. Oh là là, quel bro. Merci bien. Oh, j'ai des bottines. J'arrive. Les gars, je me suis fait Kira. Ah ouais, déjà? Vraiment? Oh, c'est une blague, les gars. Putain, j'ai eu peur là. Ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire. Elle est où la table, s'il vous plaît? C'est vraiment c'est chiant. Mais tu veux pas de l'eau, au pire? Attends. J'ai pas d'eau. Attends. Ah bah, vas-y, ça te dégoûte là. T'es cool. Oui. Ah ouais? Ok. Mais je sais que ça pourrait rien dans le mode de jeu. C'est bon, pas plus. Juste voilà, t'es au courant. Regarde le doc maintenant, Allô, tu veux quoi? Tu veux une bonne nouvelle? Tiens. En vrai? Oh là 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 là. Écoute, j'ai eu des games de ouf. Oh là là là. Ah, mais pas lui. C'était incroyable. Ça me met si bien. Y'a une autre? Ouais. J'ai vraiment trouvé 41. Mais. Tu fais une shortcut, man. J'ai pas vu. Ouais, je sais, mais y'a l'autre là. Ah, excuse-moi, j'ai. De quoi je parle. Non, je vais. Enfin, je sais pas si je fais un truc. Non, pour l'instant, fais, attends, j'ai rien fait. Attends, je te dis au cas où. Parce que c'est important. Je vais mourir, les gars. Fin d'épisode 3 à plus tard, dans 2 jours. Les gars, il me faut de l'eau. Pas les gars, je suis au feu. Ah, pardon. Ok. J'ai tué Simon, t'es mort. Oh merde, c'est pas le bon truc. J'ai mis un coup d'épée, c'est de la merde. Ouais, vous avez besoin de level, bah, je suis là. Ah, mec, coup de main. Tiens, coup de main. Tu veux que je t'en mette, c'est des coups. Waouh, waouh. Ça tape, hein, les frères se tapent. Alors, je m'en bats les couilles, mec. Putain, si je meurs, je m'en bats les couilles. Tape la main. Arrête, je t'en occupe. Tiens, c'est un moyen de faire. On va nether ou quoi, les gars, là? Ouais, on peut. Nimbus, il joue quand même bizarrement, Nimbus. T'as d'huile? Moi, j'ai 0 gap. Moi, j'ai 2 gap, en fait. Voilà, moi, j'ai 0 gap. J'en ai 6. Bah, je veux bien. J'ai des potions, tu vois. Dégage-toi. Ouais, je crois. Ah, ça serait bien vu ce que t'as essayé de faire. Il est où Shazam, par contre? Je pense que. Moi, je dis Polo, Kira et Nimbus Shinigami, hein, je le jure. Non, Pégage. Et Simon Melo. Pégage, attends. Tiens. Tessia? Tu veux quoi, toi? Toi, tu veux quoi? Va dire que je suis méchant là. Viens. T'es méchant. Viens. Eh, Pégage! Tu cons Octogone? Pégage! Bah ouais, là, ici, là, maintenant, là. Vas-y. Pégaphile, écoute ce que dit. Il va me tuer. Allez, on y va! Attends, hop! Oh! Ah, Pégaphile, ouais. Écoute ce qu'il dit, Inou, il est intelligent, le coup. Il a dit quoi, Inou? Non, les deux P, ils sont gentils. Ouais! T'as dit quoi, Inou? Les deux P, ils sont gentils, je pense. Inou, par rapport à ce que je t'ai dit, ça donne quoi? C'est en train. C'est bon, les gars. Nimbus, viens! On va. Nimbus! On va nether. Wesh! Allo? Gros, tu mets des tatanes à l'épée, ah, gros! On est où? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, on va nether! Ah, mais attends, on a champ pas Shazam? Mais il est là! Mais wesh! Ah non, il est pas là! Ah non, oui, il est pas là! C'est le seul qui est pas là dans la team, hein. Moi je sais pas pourquoi vous y allez sans lui! Hein. Bah viens en vrai! Ils sont partis, Simon ou pas? Bah moi je vais pas, mais ouais! Ils y sont allés? Ouais, ils y sont! Attends, mais il faut y aller alors!
Bah moi j'ai pas, j'ai en stock les mots. Il est parti. Attends, faut faire. Ah c'est moi, il est là. Ah yo. Y'a Nimbus, je sais pas s'il va venir. Simon il vient pas parce qu'il est pas stuff. Et ouais, j'ai passé la fortune. Et Shazin il est à l'autre bout de la planète. Là entre nous on serait pas tous safe ici. Ouais, y'a moyen, mais je sais pas. On va, j'sais on va pas. Attendre un truc du coup. Pour moi, là, Shazin et Nimbus c'est les deux plus suspects. Hein. Ah, c'est encore Nimbus. J'essaie de repasser le portail parce qu'en fait, Simon et Shazin ils sont. Enfin, genre. Surtout que Simon a les potions et il veut pas les filer quoi. Ouais. C'est vrai que Simon a nos potions, les gars, quand même. Hein. Bah, c'est technique, hein. Y'en a qui l'ont fait. La saison 4 de Death Note, on me l'a fait, moi. Oui. Ok. Parler de quoi là de on parle d'un petit truc, t'inquiète. De moi, super les gars. Pourquoi bah alors Polo, ça dit pas tout collègue. Pourquoi tout de suite c'est toi. Ça dit pas tout collègue. Non mais je vois, d'accord, ça fait des cachotteries, super. Non mais après voilà, on parle. Non mais super, super. En fait Pégas, je sais ce que t'es en fait. Go retourner les gars, go retourner, y'a rien dans les uns. Y'a personne. Le problème c'est que le portail il link plus dans la cave quoi, donc on ne les retrouvera pas. Bah go, go faire un portail au centre alors Alan. Mais toi Polo, je peux te dire que je sais pas trop comment Inno il peut avoir confiance en toi, je te dis. Moi je pense que j'ai bientôt les méchants en fait. Ça m'étonne en vrai. Hein. Bah moi je comprends pas, moi j'arrive pas à comprendre comment Inno il peut avoir confiance en toi en fait. Genre. Il peut pas lui avoir confiance en moi. Ah voilà. Mais en fait il peut y avoir un 10% de doute en fait. Mais par contre du coup Simon toi. Ah Nimbus. Bon bah c'est là-bas, c'est Nimbus, là-bas. Nimbus. Ah t'es sûr? Bah oui c'est. Ok, j'ai compris. Le stuff est là, bah c'est bien Nimbus hein. Y'a plus les gaps? Bah si du coup. Y'a plus les gaps du coup. Ouais. Il est dans les murs hein. Tu penses? Ouais, je suis sûr, j'ai cru entendre son, bah si, son micro. Bah si, s'il est là, il s'est juste mis dessous, hein, c'est sûr. Mais dans le mur, genre là. Ouais, mais c'est sûr, il s'est mis dessous, hein, s'il est encore là. Ou à droite, ou... Ouais, mais par contre, là, je viens de penser à un truc. S'il est encore là, et qu'il s'est pas barré, c'est qu'il y a sûrement... Je pense. En vrai, ouais. Moi, je fais gaffe à Polo, je te le dis, Alan. Bah, moi, Pégas... En fait, Pégas, je sais que c'est pas... Je sais que t'es pas... Tu peux pas être, ouais, en parenthèse, Kiraoshini. Pour moi, t'es pas Kiraoshini. Mais à mon avis, de ce que dit Inno, tu peux être aussi mélo, en fait. C'est toi le mélo. Ouais, c'est bon, nique sa mère, ça m'a saoulé. Non, c'est vraiment pas moi le mélo, mec. T'as pas compris mon rôle avec ce que j'ai dit. Enfin bon. Bah, Inno te pensait mélo en fait, hein. Mais non, mais j'ai dit un truc, Alan. Même Alan a compris quoi. Monsieur, je connais tout le mode de jeu par cœur. Ok, si, c'est bon, je sais ce que t'es. Ah, il est là, ok, chasse. Ça t'intéresse, je suis à moins de. Bon, si ça t'intéresse. Nimbus, c'est méchant du coup. Oui, voilà, c'est ça. Nimbus, je suis méchant, ouais. Est-ce que vous avez des pommes rouges par hasard? Ouais. Ok, Simon. Nimbus méchant, Simon. Je les ai jetés. Nimbus méchant. En fait, je pense qu'il est mélo, Polo, en fait. Ah ouais? Parce que, ouais, mais parce que Inno avait confiance en lui, mais il a dit, il était pas sûr, et enfin. Bah, il a dit quand il est mort, et ouais, bah c'est sûr, en fait, parce que il a dit quand il est mort, on a perdu le nir. Donc voilà, en fait, c'est réglé. Donc en fait, Polo, il est soit mélo gentil, soit mélo méchant, en fait. Mais non! Mais si, tu t'es cramé parce que t'as dit quand. Non, mais t'as dit. Non, mais gros, écoute, t'as dit quand Inno est mort, t'as dit il est. T'as dit on a perdu Nier. Donc bon. Vous l'avez fumé? Oui, parce que. Attends, regarde. Attends, on attend tous les autres parce que le stuff est là-bas en fait. Attends, mais le stuff va dépendre. Oui, mais ça te dit pas le rôle. Non, ça me dit il était innocent. Oui, voilà. Mais pourquoi tu. Comment tu peux être sûr que c'était Nier? Parce que je pensais, et en gros. Attends, par contre, faudrait que tout le monde s'écarte parce qu'il m'a dit un truc sur toi en fait. Attends, tu peux partir s'il te plaît? Ouais, t'inquiète. Ouais. En gros, il m'a dit que toi, tu savais déjà directement qu'il était Nier. Ah non. Bah pour moi il m'a. Moi, il non, m'a non, dit, c'est, pas, c'est pas ce que je lui ai dit. Bah Pégas. Non, c'est pas ce que je lui ai dit, c'est pas moi, ce que je lui ai dit. Moi, il m'a dit ça, c'est pour ça. Non. Et moi, si jamais je vois la. S'il meurt, c'est normal. Hein. En fait, si tu veux. Mais c'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai le stuff. Bah ouais, bah du coup il est parti. Bah ouais, mais moi, Alan a compris mon truc tout à l'heure. Ouais, mais Pégas, ce qui se passe, c'est que moi j'ai compris du coup, moi ce qu'il a censé comprendre, mais le Shinny il peut aussi. Et si le Kira fait pas, qu'il j'avais oublié, Ah oui, bon, ouais, d'accord. Ok, bon. Ça te défend pas du tout en fait. Ok. Et Diamond, tu penses quoi? Ah, mais lui, j'en sais rien. Diamond, j'en sais vraiment rien du tout. En gros, d'après les dires de Simon, Simon serait le troisième, tu vois. Ah, Pégas, c'est le deuxième. D'après les dires de Simon, ça veut dire que entre. Toi, t'es pas mélo. Shazin, déco les gars, il y a le PNJ de Shazin là-bas. Pour le protéger. Ouais. Attends, Polo, j'ai une question d'ailleurs. Justement... J'ai une question en vrai, je vais te poser sur panneau. Parce que vu que tu connais. Non, mais justement, on peut pas. Attends, Shazin. Y'a pas une commande pour revoir le rôle ou quoi? Je crois pas, non. C'est con parce que du coup. Tâche roule. Ah, mais t'as pas. Non, t'as pas. Réponds-moi avec ça. Du coup, il y aura peut-être un truc, frère. Ah ouais? C'est pour ça, mec. Bah, mec. Je connais même pas mon pouvoir. Génial.
Mais c'est ce que je. C'est non, ce mais que de... je pense aussi. Non mais de sûr. Enfin de sûr qu'il avait ça et Keblo. Enfin genre il. Mais attends, mais c'est surtout en fait, surtout il... en gros. Mais j'ai pas envie de tenter. Non moi non plus mais genre Olga, c'est. Olga, vraiment pour le coup c'est 98% genre vraiment. Ouais, je... Ok vas-y. Hein. On avance. De quoi on continue, on retourne au overworld. Mais on pense, je pense savoir qui c'est. Il manque, j'aimerais avoir le. Du coup savoir le mélo en fait. Moi je pense vraiment que c'est toi Polo, et en vrai si t'es gentil c'est pas grave, hein. Je sais pas pourquoi tu... Non, en fait vraiment je suis pas mélo en fait. Hein. Bon, faisons un point sur la situation. Nous sommes pour le moment très bien infiltrés. Au début je me faisais passer pour le mélo gentil auprès de Ino, et un enquêteur avec le pouvoir d'enquête auprès des autres. Pendant que nous étions dans le Nether, Ino est mort de la main de Nimbus, qui est soit Kira, soit Shinigami, mais à mon avis Shinigami. Car comme l'a soulevé Anne Blue Diamond, il est fortement probable que le Shinigami ait attaqué sachant que le Kira était également dans le Nether. Cependant, je n'ai en réalité aucune idée de qui ça pourrait être. Mais une fois de plus, grâce à un Blue Diamond, cette action m'a permis de me faire passer pour l'enquêteur ayant le pouvoir de voir les réels morts dans le chat. Les suspicions qu'avait Polo sur moi quant à mon rôle de Mélo commencent peu à peu à se dissiper, mais pas totalement car c'est moi qui l'accuse maintenant d'être Mélo et je sais très bien qu'il ne l'est pas. Ma tentative de faire passer Simon pour le Kira a l'air contre toute attente de très bien fonctionner. Mon objectif est de mettre un maximum d'accusations sur une seule et même personne afin de pouvoir lancer une attaque justifiée, alors qu'en réalité je n'ai aucune idée du rôle de Simon. Il va falloir continuer dans cette voie jusqu'à attendre le moment opportun pour trahir notre équipe. Continuons notre stratégie. Ouais, bon, Polo... Gars, je peux te parler ? Ouais, j'allais te dire aussi. Moi, actuellement, je suis en train de faire une cœur d'enquête. Attends, d'ailleurs, je vais manger une gap maintenant. J'en arrive deux. Mais genre, du coup, reste loin de moi si tu veux. Ouais, non, mais c'est Simon, du coup. Oui, de Kira. Oui, ouais. Bien sûr. Oui. Et du coup, en fait, le truc, c'est... Est-ce qu'il est bon ou pas ? Simon ? Ouais. Ouais, il est bon. Bah parce que moi en vrai mec j'ai pas envie de prendre le risque. Là je me dis il est demi donc c'est pas trop une menace, mais je me dis si on trouve ça la team de Kira Ouais. Moi en vrai de vrai je vais pas te mentir, je préfère pas attendre de me faire trahir quoi. Je préfère tenter parce qu'on a déjà perdu un mate en fait et on a plus qu'un Nimbus. En vrai no joke t'as combien de gap? Oh, no joke j'en ai 6. Ok j'en ai 2 moi, j'en ai 2. Toi le truc c'est que tu peux me brain pour le mélo parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment Ino peut avoir même un peu confiance en ton genre. Tu peux avoir mes trois speed ou pas s'il te plaît? Contre 2 gaps. J'ai 2 gaps, ça tombe bien. Ok, une gap. Bon, non, je passe pas. Mais pourquoi eux tu leur demandes une gap et moi t'as demandé 2 gaps, wesh? Mais parce que... Attends, mais c'est pas des vannes en plus? Bah non, frère. Non mais tu demandes vrai, tu nous passes vraiment pas des speed? Bah en vrai en fait j'ai aucune info sur vous. On sait que t'es le Kira Simon en fait. Ah ouais, putain, je suis trop le Kira, surtout que je suis venu direct que j'allais potion et tout. Ok, bah en soi oui. Frère, ça va, en plus, je demande 2 gaps. T'es sûr de toi? Oui. Bah, je suis. Ah ouais, je suis pas chaud, moi, mais. Alan, c'est le Kira, dessus. Non, vraiment... J'ai vu un truc en cave, si tu veux, en fait, Alan aussi. Oui, ou... t'as vu quoi en cave? Vas-y. Vas-y. Y'a Nimbus, c'est là. Frère, tiens, tu vois, Nimbus est là, c'est pas pour rien. Vas-y. Il est ça, gros. Non, mais Alan, viens par contre. Alan, viens. Je te tape même pas, gros. Non mais je tape personne, bon bah les couilles. Genre vraiment. Vraiment pas. Non mais frère, Simon. Non mais les gars, Nimbus vient de dire Simon c'est le pire Kira du monde. Ok bah vas-y je vais faire. Bah voilà tu vois. Bon. En vrai j'ai limite envie d'enlever mon step en vrai. Genre voilà. Attends, vous avez une d'huile par contre parce que j'ai pas de gap. Chazin derrière toi. Ouais derrière toi. En fait Simon en cave j'ai vu que j'avais mis la vie sur toi et en fait je voyais que t'étais tombé genre d'un coup à moins 3 coeurs en fait. Donc je savais que t'avais fait mais le pacte. Mais Paul il m'a fait que... Bah attends, viens on va avec Paul. Oh, là. Les gars par contre faut m'aider hein, genre vraiment. Les gars. Attends quoi? Damien Mélo. Non, je suis pas Mélo frère, Mais si t'es Mélo méchant, bah attends quoi? Ah mais j'ai perdu trop de gap hein, vous avez pas tué... J'ai qu'une gap. J'ai plus. Ah oui d'accord. Super. T'as Alan, t'es une pute. Non frère. Mais pourquoi t'attaques Polo? Pourquoi tu m'attaques? Parce qu'il est méchant frère. Il a fait quoi? Mais dis-moi ce qu'il a fait. Dis-moi ce qu'il a fait Alan. Je peux pas te dire mais... Les gars, il va falloir bien jouer parce que là... Sur Blue. Blue a beaucoup de gap hein. Mais les gars, passez-moi mon gap. Putain, ça joue arc. Go les gars. Attends, viens avec nous. Attends. J'arrive. Oh, c'est terrible. Il faut ta gaffe. Je vois pas. Pour le temps. Non, mais vraiment. Aidez-moi, les gars. Je peux pas. Les gars, j'ai un micro. Oh,
rien fait depuis tout à l'heure. Non mais Alan, vraiment. T'as des flèches ou pas, Alan? Super. Oh, voilà, par contre, on va peut-être pas jouer ensemble trop. Ouais, je sais, mais je vais pas. C'est Diamond finalement. Ouais, bah ouais, ouais. Ah, désolé les gars. Oh putain, y'a une autre team. Shazin, viens, frère, viens. Frérot, viens, on se casse. Viens, on se casse. Frère, j'ai une garde moins 6 coeur, gros. En sûr. Tiens, je te passe 2 gap, mais bon. Il est pas mort, non. Putain, mais ils sont pas morts. Mais Nimbus, c'est combien de gapel, frère? Mais Nimbus, en fait, Nimbus, c'est la résistance, en fait. Il est en 300, il est par là-bas, viens. Ouais. Viens quand même. Kira, viens vite, y'a les... J'arrive, Shazin. Non, c'est bon, je suis là. J'en fais gaffe, ça va être 2v3, cours. Il y a leur. Il a l'épée. Ouais, je sais. Essaye de revenir, Shazin! Oh non, mon frère. Bah, je vais mourir là. Ouais, mais je suis pas. Je crois qu'il y a du calme. Viens sur la droite. Si tu m'entends, viens sur la droite. Je pense que si j'avais un arc, j'aurais fait quelque chose. Ouais, je sais, vas-y. Bah bon. Si j'ai un arc mais j'ai pas de flèche quoi. C'est j'ai pas de flèche non plus, j'ai un arc mais j'ai pas de flèche. Allo les verts, non mais y'a des gens sur nous derrière. On a plus de vie nous, fightez les si vous voulez. Vas-y Pega, suis. Mais bonsoir, on a plus vie, ça rien. Mais c'est qui derrière vous? C'est les roses. On a eu de la chance. Aïe. Oh putain. Il m'a fait peur. Je suis désolé mon scream mais. Casse-toi. T'es discret comme mec. Ah ouais, quand vous disiez vous avez pas... quand vous disiez que vous avez pas de vie. Ah oui mais j'ai vraiment pas de vie hein. Alan, faut que tu nous aides frérot hein. Bah non là du coup. Attends, faut qu'on tourne go aller sur les autres là. Je suis mort. J'ai des cœurs. Non, t'inquiète. Chaz, ok, go. Non, viens sur la droite, Chazin. Viens sur la droite. La droite. Je sais. Go, Pega. Ah, désolé, frérot. Oh, le Pega. Laissez-moi en vie, les gars, je peux vous aider. Laissez-moi en vie. Je peux vous aider, la tête de ma mère, je peux vous aider. Arrête de courir. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que je suis méchant. Bah ouais, justement. Ça marche pas avec nous. Reviens. Alan, faut que tu m'aides, mon frère. Ah non, il y a un bleu. Allez. Alan, faut que tu m'aides, gros. J'arrive Alan. Attends, ouais, bien joué mon frère. What? Alan, écoute-moi bien, j'ai... Super. Pega, faut que tu te reveal. Ouais, bah frère, j'ai pas le temps. Alan, écoute-moi bien, boum, mort. T'es mélo, frère? Oui. Ah mais merde. Plus de vie, moi j'ai plus de gap, j'ai rien. Ça sert à rien de me tuer, les gars. Vraiment, j'ai zéro heal, les gars, vraiment. En fait, quand t'as attaqué Simon, j'ai fait... C'est pas des vannes, les verts, hein. J'ai zéro gap, hein. Mais quand vous avez dit on a plus de vie, vous avez vraiment plus de vie, en fait. Commencez par focus Nimbus, en vrai, il a 30 gap, les gars, ça sert à rien, moi. Qui a 30 gap? Nimbus. De sûr et certain. Nimbus, il est Shinigami. Mais je peux vous aider, mais là, j'ai genre 5 coeurs, et j'ai plus de vie. J'ai plus de gap, j'ai plus rien. Vous voulez quand même le chase ou pas? Arrêtez de tirer dessus, pitché. Ça m'a redonné un peu de vie. Bah le rose faut qu'il team avec nous, il a pas le choix là. Je pense plutôt le fight il est, je sais pas si le choix. Ouais, je pense qu'on peut buter soit dans le bus, soit Pétabouf et on team avec l'autre. Ouais, exactement. C'est toi la petite salope du coup, Yune? Non. Non mais en vrai si c'est toi, on te tue pas hein. Ça sert à rien de te tuer si c'est toi. Vraiment. Juste passe-moi une gap s'il te plaît, j'ai plus de vie. Tu me passes une gap, on tue pas. Bah vas-y, bah go tuer. Bah héros, il nous passe des gaps hein. Comme ça t'auras pas 3 gaps. Allez, let's go. T'auras pas 3 gap les gars, tant pis pour toi. Ah tant pis. Par contre j'aurais mis une masterclass à ma team, genre c'était magnifique. Eh, en vrai tu passes une gap sur, à moi et mais on te laisse vivre. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas, gros j'ai moins 4 coeurs et j'ai 2 gaps. Sinon je peux pas jouer.
Bah là j'ai plus de gap du coup. T'as fait des kills Luneco, Oh regarde c'est plus ma gap. T'as fait des kills. Regarde j'ai plus de gap. Je te jure, je peux te jurer bro, j'ai vraiment plus de gap hein. J'ai fait les pégas genre... En plus vous allez perdre contre Nimbus parce qu'il a fait 3 kills. Ah Yonimbus. Je n'ai pas fait 3 kills. T'as fait combien? Menteur Nimbus, t'as 3 millions de gapple. T'as tes teammates qui se font péter pégas derrière. De quoi? T'as tes teammates qui se font péter derrière. C'est vraiment pas mes teammates, hein, j'en ai rien à foutre. Ça va sinon frérot, genre t'as ça pas va et toi game ou pas? Ouais, bah écoute, j'ai fait vraiment comme j'ai pu, voilà, j'ai plus que 0 gap, ça fait bon, plaisir. Bon, on va se fight avant d'aller dans l'eau. Vas-y, je mange ma dernière gap. Vas-y. Allez, let's go, j'ai le frère. Et j'ai menti. GG. GG mon rêve. GG 05 frère. Je sais. Ah oh, c'est trop dur. C'est trop dur, j'en peux plus de ce jeu de merde. C'est trop la haine. J'espère que je vous ai bien brainfuck les oranges. Nimbus tu boudes? Non. T'as... Tu peux me passer deux d'or mon frère s'il te plaît? J'ai pas deux d'or. Non mais vraiment frère j'ai deux cœurs. Ok. Ouais j'ai ok ouais. Attends. Tiens, je te les mets là, t'as eu demi-temps? Ah, par contre, j'ai eu aucun kill de la game, je sais pas d'où tu sors que j'ai eu des gaps, hein. Vraiment, c'est. Salut, t'as vraiment pas de gap? Non, je n'ai vraiment pas de gap, hein, c'est. Salut les gamers. Ouais, derrière. Ouais, mais frère, j'ai deux cœurs, gros, j'ai deux cœurs. Tu... J'ai quatre cœurs, voilà. Mais y'a plus personne qui a il a massé, il a un stream, hein. T'as combien de heal? Bah, viens, on y va. Regarde, écoute-le, j'ai pas de heal. Il a tué toute sa team. Mais je parle pas à toi, je parle à Scream. Super. Ah, le dernier recours. Mensonge, trahison, tout ça. J'ai pas de vie, la vie, je suis désolé. Bah oui, bref, mais vraiment, j'ai plus fait. De cap, je sais plus quoi faire. Je suis sûr que tu manques toi aussi, t'en as plein. Y'a Scream derrière, gros. Oh, mec, je te Nimbus, on se retourne ou pas? Allez, ça part. Ah, ça part. Trois cœurs. N'importe quoi. Mais bon, mais j'ai pas de vie, arrête. Ah tu veux plus. Par contre c'est close hein. Oh, ah bien joué. Oh là là. Oh, oh c'est Scream. Oh ça perd. Oh c'est tellement close la game. Et voilà c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. Ça me ferait vraiment super plaisir. Désolé encore une fois elle a été un peu longue. Mais si vous êtes resté jusqu'ici n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit hashtag méchant dans les commentaires. Et juste à titre informatif c'est au final Patapouf qui remporte ce Death Note. Écoutez je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure. En attendant portez-vous bien je vous fais des bisous. C'était Pegaphil, à très bientôt, ciao ciao.